Bonjour, c'est Gonzalez sur recmag.com. Je suis un génie musical. Écoute. Cet album, j'ai décidé de vraiment prendre la forme le plus normal, le plus évident que j'avais jamais fait. Ça veut dire chanter de mes sentiments pour toucher les gens. Je dirais que là, sur Soft Power, c'est plus how I am, who I am. Et Soft Power, ça parle de ça. C'est les sentiments que moi, j'ai vécu, c'est les sentiments que j'ai trouvé en fin du compte étaient les plus forts et qui étaient les plus liés à ce que j'ai vécu pendant 3-4 ans en studio avec des gens, en travailler prochement avec des autres êtres humains. Et c'est hyper douloureux pour n'importe qui, et surtout pour moi qui, à la base, est un égomaniaque dysfonctionnel. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que les gens qui me connaissent déjà, et les gens qui ne me connaissent pas, donc, ne me connaissent pas en fait. Décidé, quant à faire mon album, quand j'ai retourné à faire mon album, que moi, pour la première fois, je veux me servir des gens comme les gens se sont servis de moi. Donc je me suis fait réaliser l'album Soft Power par Renaud Le Temple, qui était d'ailleurs mon partenaire sur tous les autres prods qu'on a fait ensemble. Il y avait des autres musiciens qui ont intervenu beaucoup plus fréquemment que sur les autres albums. Et justement, sur scène, d'avoir une vraie équipe, un vrai groupe, le Together Ensemble, pour mettre en scène ce douleur en fait, pour le dramatiser, et comme les paroles, ils parlent de ça, j'ai cru que c'était la meilleure façon de présenter cet album, de le défendre sur scène, c'est de donner des exemples, de montrer comment l'égomaniaque Gonzalez fonctionne quand il est obligé à être en équipe. Hey, whoa, whoa, whoa. G major, easy, easy there. 1, 2, 3, 4. Franchement, c'est le deuxième concert. Je sais pas, je me rends compte. Vous avez le groupe, ça va? Parce qu'ils font beaucoup d'erreurs, hein. You do a lot of fucking mistakes. You make a lot of fucking mistakes. You heard that? Ok. J'essaie de faire de la musique tous les jours si je peux.
J'ai pas toujours l'opportunité de composer, mais j'essaie de garder le muscle de créativité en bonne forme. Comme ça, ça met pas de pression sur un moment en particulier. Il n'y a pas un moment où j'attends l'inspiration, parce qu'en fait, je fais ça tous les jours. C'est comme aller à la toilette. Je fais tous les jours. Si ça peut être bien aujourd'hui, ça peut être mieux demain. Il n'y a pas de secret, il faut juste le faire. L'inspiration n'existe pas, sauf que dans l'oreille de l'auditeur, c'est pas moi qui va décider ce que le morceau inspiré ou non. Comme je suis signé sur Mercury, c'est un label qui sont exigeants pour la participation de leurs artistes, donc j'espère continuer. Je joue à l'Olympia le 1er décembre, donc tout est un peu le momentum, c'est en fait on est juste au début. Et le projet Soft Power, j'espère qu'il va durer et durer et durer. J'ai beaucoup à dire, beaucoup de concerts à faire et j'ai beaucoup d'auditeurs à séduire. Get out of my hits!